Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Nano. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel petit unboxing très rapide de chez Action. Voilà, j'avais vu plusieurs vidéos en ligne de copines. Moi, je suis allée plusieurs fois à mon magasin Action. Je ne trouve jamais de DP. Et j'ai la chance d'avoir une copine youtubeuse qui va souvent chez Action et qui a de la chance de trouver des DP. Et j'avais vu sur sa chaîne, donc Sandrine, merci encore, la chaîne Dri en folie, un petit modèle. Et je lui avais dit à l'occasion, si tu retournes chez Action, je veux bien que tu me le prennes. Et gentiment, Sandrine, la dernière fois, est allée au magasin, m'a dit, Nanou, elle est là, je te la prends. J'ai dit, oui, prends-la moi. Et donc, voilà, je suis super contente. C'est une première fois pour moi que j'ai un DP Action. J'ai entendu des gens contents, des gens moins contents, donc bon, voilà. Après, je me suis dit, pour le prix, franchement, c'est pas comme si vous preniez une toile Raloa ou une toile DAC qui a un certain coût. Si vous êtes déçu, bon, ben, c'est pas une grosse perte dans votre budget. Donc voilà, donc Sandrine, je te remercie encore beaucoup. On papote souvent toutes les deux et... on est assez réactifs toutes les deux, donc je te remercie beaucoup, même si on n'habite pas à côté. Je désespère pas qu'un de ces quatre, on se voit en live. Donc voilà, donc, alors, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai aussi ma copine Cécile de la chaîne Kiko et les Diamants qui a craqué, et sans le savoir, on avait le même. Donc voilà, c'est un petit village. Alors je crois que c'est un village de Toscane. Je ne sais plus où j'avais vu sur une vidéo et une des filles disait que c'était un village de Toscane qu'elle connaissait. Donc, bah, écoutez, je lui fais confiance, je ne suis jamais allée en Toscane. Donc, pourquoi pas, qui sait, un jour, je tomberai nez à nez dans cette jolie ville. Donc, on va le déballer ensemble. Donc, si je vois bien sur la boîte, on a 5, 10, 15, 20, 25 couleurs, si je comprends bien. Et quand on voit donc l'image... sur ces parties là ça m'a l'air de briller, donc je me dis qu'on a peut-être des AB au niveau des diamants. Alors on y va, on déballe. Donc en tout cas c'est pas mal emballé, hein. Donc déjà c'est bien. J'espère pas qu'un jour dans mon magasin Action il y en ait, hein. Ou alors je pense qu'il y a, je sais pas, il est enfin, on est dans, c'est une grande ville, hein. Donc à mon avis dès qu'il y a quelque chose les gens se précipitent dessus. Voilà. Hop, il n'y a rien. Donc, comme vous avez pu voir, on est dehors. Et oui, le soleil est enfin revenu en Ile-de-France. Il paraît pour quelques jours. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'est des grosses chaleurs. Mais quand il est là, le soleil, ça fait du bien. Donc, je me suis mise sous le parasol. Parce que sinon, avec le soleil, on aurait été ébloui. Vous auriez rien vu du tout. Alors, on va déballer. Donc, l'emballage est bien plastifié quand même. Donc voilà. Donc on va déjà déballer. On va la laisser un petit peu se. Déjà, niveau qualité, c'est du coton quoi. Hein. Donc regardez la toile, il n'y a même pas un pli. Hein. Donc chapeau. Donc je ne sais pas si c'est une marque. Ils appellent ça avec Partenchin by Design. Donc je pense que ça doit être une marque. Ils ont peut-être un accord avec les magasins Action. Il semblerait qu'il y en a eu plusieurs. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas trop aimé. Il y a juste une couronne que toujours ma copine Sandrine m'avait récupérée, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Sandrine, ne désespère pas, je vais la faire. En diamants spéciaux, ils avaient lancé plein, je ne sais pas si vous vous rappelez, en forme de rond. Et donc du coup, j'en avais trouvé une jolie. Et moi, je ne trouvais pas non plus chez Action. Donc, c'est toujours ma copine Sandrine qui me les a pris. Donc, dans le petit kit, on a une espèce de petite notice, donc en différentes langues. Donc, je confirme, il y a plusieurs... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Donc, il y a 25 couleurs. Donc, ils ont l'air de mettre... Il y a des chiffres et des lettres. C'était bonne, celle-là. Donc, voilà, je vais vous remontrer pour que vous voyez un petit peu mieux l'image. Voilà, et donc du coup, donc sur la notice, d'accord, il vous explique comment utiliser son tableau quand on n'en a jamais fait. Donc pour moi et vous, je pense qu'il n'y a pas besoin. Après, pour les débutants qui vont se balader chez Action, qui ne savent pas ce que c'est que le diamond painting, donc voilà.
Ensuite, on a, là, on a un toolkit traditionnel. Et je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir, les couleurs. Et là, je vois, oh, il n'y en aurait pas qu'un, mais plusieurs sachets de diamants AB. Alors là, j'ai hâte de déballer pour vous montrer. Je suis curieuse, hein, parce que je ne sais plus combien est le kit. Je crois que c'est les alentours de 8-9 euros. Et vous vous retrouvez avec 25 sachets. Donc c'est du rond, il faut bien le préciser. Donc je suis pas sûre que pour l'instant Action il fait des kits avec des diamants carrés. Donc ben on en a déjà un à garder. Donc sur le sachet vous avez les références et la référence DMC. Donc ben, on a du noir. Voilà. Donc ça fait déjà un. Ensuite on a pas mal de bleu. Donc voilà, différentes couleurs de bleu. Ensuite on va passer sur du rouge. Et là, poum poum, deuxième sachet de diamant AB du 606. Donc génial. Ensuite, on va passer sur du orange. Oh, j'adore. Trop trop beau. Là, il est vachement coloré. Je pense que ça va être un plaisir de le faire. Du bleu, un petit peu de rouge, du bleu foncé. Dans les couleurs marron. J'espère que vous voyez bien. Je ne fais pas trop vite. Re AB. Alors là, c'est du 946. Donc, troisième sachet de AB. Franchement, du bleu et du blanc AB. Ah, c'est la première fois que je vois du blanc AB dans du 5200. Eh ben, je suis super contente. Voilà, j'espère que ça va être tout joli à faire. Donc, je vais quand même vous montrer la toile parce que du coup, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer la toile. Là. On va la mettre dans le bon sens. Voilà, donc c'est super joli. J'ai oublié de vous dire, c'est un modèle de 40 par 60, donc c'est quand même pas petit. Et quand on regarde bien, je sais pas si vous voyez les symboles sur la toile, ils sont nickel. Je n'ai même pas une rivière. Donc je sais que ma copine Sandrine, elle en a fait plusieurs, j'ai vu sur ses vidéos, et elle en est super contente. Donc bah, j'ai hâte de tester. En plus c'est des symboles, c'est des chiffres et des lettres, donc il n'y a pas de symbole ou de petits carrés ou de ronds, de lune ou de dollars ou tout ce qui s'ensuit qu'on voit actuellement sur nos grilles. Donc ben, on va tester. En tout cas je suis super contente. J'espère que Action nous en fera d'autres. Moi si j'en trouve pas, je connais mon acheteuse maintenant, je sais où est-ce, quand est-ce qu'elle va me les trouver et me les envoyer. Donc Sandrine, hein, je compte sur toi. Quand tu vois du Réa Pro et des nouveautés, t'oublie pas ta nano, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va tester. Peut-être que je le ferai en même temps que ma copine Cécile. Cécile, si tu passes par là, on essaye de se le caler ensemble si ça te dit, vu qu'on a le même, ça peut être sympa. Bon bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Cette petite vidéo était assez rapide, mais je voulais vous faire partager. Il n'y a pas que les vendeurs chinois qu'on connaît tous, les partenariats ou bah, les grandes marques comme Raloa au Diamond Art Club. Là, on a un petit magasin Cdiscount qui vend nos loisirs créatifs. Donc bah, j'espère qu'il y en a d'autres qui suivront, comme les marques de chez Lidl ou il y a Aldi. Ça serait sympa. Comme ça, on aurait peut-être un peu plus de concurrence et peut-être un peu plus de choix. Parce que du coup, chez Action, au niveau stock, c'est un petit peu compliqué. Et alors cette fois, bah, je vous dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, bah, comme d'hab, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Parce que s'il y en a d'autres qui ont déjà fait des modèles de chez Action, bah, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que moi, du coup, ça va être le premier, je n'ai pas commencé du tout. Donc je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Je vous embrasse tous bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !